l'actualité pour les jeux pas si récents que ça, il fallait le faire. Heureusement, Game Trip pense à tout. Voici une nouvelle édition de la News TV avec des vrais morceaux de oldies dedans. Il n'y a pas eu d'édition pendant de longues semaines, c'est pourquoi cette émission passera en revue les 15 derniers jours de l'actu des jeux vidéo oldies, et d'ailleurs ces deux semaines sont placées sous le signe de la console virtuelle de la Wii. On commence donc avec l'annonce de Nintendo concernant un stick Neo Geo adaptable sur la console Wii via un port manette, un pad ressemblant à l'original, mais qui malheureusement ne sortira qu'au Japon le 10 avril prochain. Préparez donc les 30€ pour l'import. Autre annonce CV, c'est la sortie au début du mois de Psychosis sur TurboGrafx, accompagné de Super Turrican originaire de Super NES. Ce dernier débarque à 800 points avec une bande-son toujours aussi marrante. Enfin, la dernière annonce est une rumeur. Sur le site de l'ESRB, on peut voir le nom de Pitfall. Le site de classification pourrait donc lancer une grosse nouvelle qui ravira les fans de la série, dont le premier opus est sorti en 1987 sur NES. Cette News TV est terminée. Pour finir, parlons de deux nouveautés sur Game Trip. Tout d'abord, la mise en place d'une notation sur 10 et également l'apparition d'un nouveau gros dossier sur les jeux vidéo d'aventure point and click. À la prochaine sur GameTrip.net et d'ici là, portez-vous bien.